C'est clair que c'est un gros match qui nous attend. Mais après, le plus difficile, là, on l'a vu à Laval, ça a été difficile en deuxième mi-temps. Là, je vois Nîmes, comment il tourne. Aller jouer à Nîmes, ça va être aussi très difficile. Donc, quand vous arrivez en fin de saison, tous les matchs sont difficiles. Après, Nancy, je ne sais pas Nancy comment ils seront donc samedi. Eux, ils ont un matelas. Est-ce qu'aujourd'hui, le matelas donc fait pas qu'à un moment donné, ils se relâchent un peu? On ne sait pas. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que quand vous jouez des équipes qui jouent leur survie, qui jouent donc le maintien, ce sont les matchs les plus compliqués. Après, quand vous jouez des équipes qui sont donc, par exemple, jouer Dijon aujourd'hui, on a vu Dijon hein, contre Nîmes le week-end dernier, ben, y a toujours un petit phénomène de relâchement, de décompression, qui fait que vous ne faites pas ce qu'il faut pour enfoncer le clou. Le match à Nancy, c'est un gros match. Le coach nous avait dit de prendre minimum 4 points sur ces deux matchs. Là, on a fait un match nul, donc là, à Nancy, on n'a pas le droit d'erreur, il faut aller gagner. Il faudrait être bien solide défensivement. Si on est solide défensivement, qu'on ne prend pas de but, après, il restera juste à marquer. Moi, j'allais dire, c'est surtout un signe que toutes les équipes en ce moment ont des difficultés, surtout les équipes de tête, quoi. À part Clermont, je pense, hein, qui avance bien. Mais après, on a vu que derrière, que ce soit Auxerre, même Brest, voilà, revient aussi dans la course. Donc, c'est bien, c'est bien. On n'est pas les seuls à caler. Mais c'est une période forcément un peu compliquée parce que tout le monde, peut-être aussi, s'observe. Tout le monde, au lieu de faire le boulot, et c'est ce que j'ai craint donc, voilà, sur les matchs qui sont passés là, où au lieu de faire donc, nous, le travail, au lieu de gagner nos matchs et puis surtout donc, continuer à avancer, ben, on n'a pas été capable de le faire. Et après, comme vous le dites, heureusement que ben, devant, ça n'a pas avancé non plus. Donc ce qui est bien, on est à 3 points de la montée, mais on est aujourd'hui, on va dire, 7 équipes, je crois, hein, concernées par cette troisième place. Ça va donner une fin de saison excitante. Mais attention, parce qu'on en est loin encore. Hein. Il y a 8 matchs, 24 points. Moi, j'ai toujours dit, voilà, c'est les 5 derniers matchs, 4-5 derniers matchs. Donc il y a encore 3 matchs là à essayer de bien négocier pour ne pas être distancé. Puis après, le sprint final, oui, c'est les 4 dernières journées.